vous déléguer. Tous vos tours envoyés à Ekédégué. Toi, éternel roi, qui débloque les portes de Djongo et les esprits de la terre d'Ekédégué. Apparaît et que j'ouvre les portes de la vie, de la mort et du destin. Le jour est arrivé. Le jour d'Ekédégué. Le jour des dieux d'Ekédégué. Des portes de la vie, de la mort et du destin. Ouvrez les portes que je passe. Parce que ceux que je sers m'attendent impatiemment. Comme d'habitude. Prends ton sacrifice. Ojonku. Ezewanyela. Okunerere. Prends ton. C'est moi, Ezewani. C'est moi. La lionne des vivants et des morts sur la terre d'Ekédégué. C'est moi. C'est moi, Ezewani. Qui dévore les nouveau-nés et les fœtus pour ton service et pour ton plaisir.
C'est moi, Ezewany. Ojongo, c'est moi. Qui écarte mes cuisses pour tes crocodiles, pour satisfaire leurs désirs, afin d'augmenter ton pouvoir et ton influence dans ce village. C'est moi. C'est moi qui ai ouvert les têtes de mes 9 enfants, 7 jours après leur naissance, et t'es nourri avec leur cerveau. C'est moi, Ezewany. Ojongo, qu'ai-je fait pour mériter ce méchant rejet de mes sacrifices en un jour sacré comme celui-ci? Tu m'as pas forcé. Mon serviteur le plus loyal, Ezewany. Tu ne m'as pas offensé, mais il y a une grande guerre qui se dirige vers notre territoire. Une grande guerre. Une guerre qui se dirige vers notre territoire? Qui ne te craint pas? Qui ose mener une guerre vers notre territoire? Il est temps d'aller en guerre et non d'offrir des sacrifices. Un serpent que nous avons tué et qui, par négligence, avons laissé partir la tête fâcheuse il y a de cela 32 ans, est aujourd'hui en route pour notre territoire. Il est furieux et lourdement armé, avec un venin spirituel très dangereux. Il vient nous combattre d'une façon qu'aucune âme ni aucun esprit n'est jamais vu. Ou imaginez sur la terre des Gedege. Les voilà. Nous allons rester là, ok? C'est ça la différence entre le village et la ville. Il y a de la brousse partout. Tu vois? Ok. Bien, voilà. Chauffeur, s'il vous plaît, allez doucement. Allez-y doucement. Vous savez que la route n'est pas bitumée. D'après ce que j'ai entendu, cette route n'est pas. Ojongo. Je ne les connais pas. Je n'avais jamais vu leur visage auparavant. Ce sont eux. C'est Obike, le fils d'un Tugo et sa femme. Ah, comment cela est-il possible? Tu l'as détruit avec tous les membres de son groupe, il y a de cela 32 ans, ainsi que sa femme et leurs 4 enfants, le même jour qu'ils ont soulevé une révolte contre nous devant notre peuple. Comment est-ce possible? Notre ennemi mortel a réussi à sauver sa femme, son fils unique, Obike et Bere. Sa première fille. Cela veut dire que l'armée de l'au-delà s'est retournée contre nous, sans nous le dire. Le maître de l'au-delà et l'armée entière de l'au-delà ignoraient tous cette information. Tout comme nous, jusqu'à hier, quand Obike est arrivé au Nigeria avec sa femme gabonaise. Notre ennemi mortel nous a tous soumis à cette réalité. Le commandant en chef de l'armée de l'au-delà, après avoir analysé ce qui s'est passé il y a 32 ans, a fait le rapport au grand maître que la femme d'Atugo, Obike et Obere, sa sœur, ont été enlevées quand le tonnerre qui a tué Adjogo et le reste de son groupe s'est abattu. Ceux qui étaient réunis ce jour les ont mis en sécurité pour les sauver en utilisant une flamme de feu. Le grand maître et moi avions vu un chariot qui s'éloignait, mais nous avons pensé que ça faisait partir du feu du tonnerre qui grondait. Du coup, aucun d'entre nous ne s'est jamais gêné de mener des enquêtes depuis que l'image d'Obidike a disparu du miroir des 7 rivières. Hier, ce n'est pas le moment de parler, de poser des questions.
Elle s'éloigne. Il faut passer à l'action. Obeke et sa femme doivent pas poser leurs pieds sur la terre Degedege. Ils ne doivent pas. Car l'enfant dans le ventre de sa femme est une plaie. Pour toi et pour moi. C'est notre ennemi. Alors, relâche les épées du mi-ciel. Pour une mission. Fais-le maintenant. Ne t'inquiète pas, bébé, d'accord? Nous allons bientôt arriver, ce n'est qu'une question de temps maintenant. Ok? Je te ferai visiter. Crois-moi, tu vas adorer. Chauffeur, arrête! Chérie, dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Michel? C'est quoi le problème? Allez, arrête-toi. Attends, tu vas me dire ce qui se passe, chérie? Le rêve. Le rêve que tu as fait la nuit dernière? Où un monstre déchire ton ventre et dévore le bébé vivant? Oui! Mais tu... Je sais ce que tu m'as dit, mais j'ai toujours aussi peur, Obeke. Oh. Écoute, la vérité est que je pourrais ne pas très bien connaître mon village. Mais pour ce qui est de ma tribu, je la connais parfaitement bien, bébé. Je ne connais ni ton peuple, ni ta tribu. Je ne suis pas d'ici. Comment pourrais-je avoir un aussi horrible cauchemar le jour où j'arrive avec toi dans ton pays, Obeke? La veille du jour où tu dois m'amener dans ton village? Pourquoi négliges-tu mon avis par rapport à l'implication d'un tel rêve que tu as fait la nuit dernière et ce matin aussi? Et tu insistes même qu'on aille dans ton village? Oh oui, écoute, tu sais, nous devons y aller comme prévu, chérie. Parce que, tu sais pourquoi? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants du Tout-Puissant. Ton peuple ne l'est pas! Tu l'as dit toi-même! Chrétien ou pas chrétien, ce que tu m'as dit qui est arrivé à ta famille il y a 32 ans m'a donné la chair de poule. Et je ne peux plus prétendre que tout va bien parce que ce n'est pas le cas. Dieu nous protégera. Dieu nous guidera durant ce voyage. Vraiment? Oui. Je peux te poser quelques Vas-y, questions? Vas-y, chérie. Où est ta famille? Voilà que tu recommences. Où sont tes trois sœurs? Est-ce que Dieu dormait quand ils se sont fait engloutir par un tonnerre mortel, invoqué par un esprit maléfique de ton village il y a de cela 32 ans? Michel, Dieu ne somnole pas et ne dort non plus. Bien sûr. Mystérieusement, Dieu a sauvé ma mère et moi, tu comprends? Et nous a ramenés à Abba. Oui, où elle m'a confié à son frère, avant sa mort. Personne au Nigeria n'est au courant que ta mère et toi avez survécu à cette attaque. Elle l'a prévenue de ne rien dire à qui que ce soit. C'est la première fois que tu reviens dans ton pays depuis lors. La toute première fois où tu vas dans le village de ton père où tout s'est passé. Juste à quelques heures d'Agedege, ta femme à terme fait un cauchemar et tu ne trouves rien d'étrange à ça? Réfléchis-y, Obeke. Même si tu ne crois pas aux rêves, regarde les choses telles qu'elles sont. Un signal de ceux qui ont tué ton père et ta mère. Écoute, ma chérie, Dieu nous protégera pendant ce voyage. Il nous conduira, ma chérie. Oh oui. Vraiment? Oui, bien sûr. Ton père, ta mère, tes sœurs, tous servaient aussi ce Dieu. Mais ils ont été consumés par ces mêmes forces maléfiques il y a de cela 32 ans. Michel, je ne suis pas mes parents. Je suis un pasteur, et un pasteur loin de surcroît. La raison pour laquelle Dieu a préservé et protégé ma vie pendant 32 ans, elle se pose se manifester, tout juste de mon nom, ma chérie. La seule chose que je peux voir maintenant, c'est toi en train de te jeter dans la gueule. Oh, si l'Éternel est ma lumière et mon salut, alors de qui devrais-je avoir peur? Le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abanego, oui, m'a ordonné de t'amener dans mon village. Et souviens-toi que la prophétie qui t'a été donnée à Libreville par le prophète Francio, il y a 2 semaines, que le bébé dans ton ventre est un enfant de grâce.
car c'est par lui, oui, c'est par lui que viendra la délivrance du peuple d'Agedegé. Mon amour, Dieu a déjà dit son mot. C'est un enfant de grâce car le Saint-Esprit a ordonné que cet enfant naisse sur la terre où je suis né. Je vais te poser une question, chérie. Quelle voie veux-tu suivre? Est-ce la voie du Saint-Esprit ou la voie du cauchemar que tu as fait la nuit dernière? Où est ta foi en tant qu'enfant de Dieu? Où est ta foi? Où est ton espoir? Oh, Biggie, les Saintes Écritures nous demandent d'examiner tout esprit qui se manifeste ou bien. Apprendre à cerner les prophéties. As-tu demandé au Seigneur de te révéler la vérité sur la prophétie du prophète Francio avant qu'on ne se lance dans cette aventure? La réponse est non, mon mari. Alors pourquoi c'est si difficile pour toi de voir que ce rêve que tu dis être sans importance pourrait être un avertissement du Saint-Esprit pour nous dire ce qui nous attend avec notre bébé dans ton village au piquet? Tu sais, ceux qui mettent leur confiance à l'Éternel sont comme le mont Sion. Ils ne tomberont jamais, mais seront à jamais forts. Psaume 21, verset 1. Et le psaume 91 qui dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Chérie, écoute-moi attentivement. Le Saint-Esprit l'a dit, et il a dit à l'entendement de tous que tu dois donner naissance à cet enfant de mon village, à Gedegé. C'est le seul moyen pour que la destinée de cet enfant, pour que l'onction qui a envahi la destinée de cet enfant se manifeste. Écoute, nous devons y aller maintenant. Retournons dans la voiture. Nous avons encore du chemin. Le voyage est encore long. On n'est pas encore arrivé à notre destination. Oh, Biggie, tu ne peux pas m'obliger. Oh! Tu ne peux pas m'obliger. El Shaddai, le même Dieu. Le même Dieu qui a forcé Jonas à Ninive. Oui, c'est le même Dieu qui a rencontré Saul sur le chemin de Damas. Père, tu ne changes pas. Oui, tu es toujours le même. Tu dois prouver à ma femme et moi que c'est toi qui es derrière ce voyage. Tu dois nous le prouver. Envoie-nous un signe, Père. Manifeste-toi, car je ne peux pas porter ce fardeau tout seul. Seigneur Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. Je sais et je crois que tu ne nous abandonneras jamais. Hey! Mon Dieu! Hey! Que se passe-t-il? Chauffeur! Chauffeur qui conduit ta voiture, non? Hey! Oh mon Dieu! Non! 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 Odjonko! Ils arrivent à Egedege! Je répète! L'heure de la guerre a sonné! Et non l'heure des questions! Pars avec l'épée du missiel, maintenant. Pars et arrête-les. Mort ou vif, ils ne doivent pas poser leurs pieds sur la terre des Degede. Cet enfant ne doit pas voir le jour à Egedege. Pars! Pars! Odjonko, le grand Odjonko, je suis de retour avec Obike et sa femme, ils sont là devant toi. Tu as échoué dans ta mission. Comment Odjonko? Je les ai mis dans cette calebasse. Voici celui que tu as mis dans la calebasse. Notre ennemi mortel est encore en œuvre. Et ainsi l'histoire se répète.
Michel, la femme d'Obike, est déjà dans Egedege au moment où nous parlons. Et c'est moigné. Tu as échoué. Tu n'as pas pu l'arrêter. Et ton échec en grande partie aggravé la situation. Elle est sur le point de donner naissance. Elle ne doit pas accoucher sur la terre d'Egedege. Elle doit mourir avant que cet enfant ne vienne au monde. Les deux doivent mourir. Ah, ah. Oui. Oui, Ojongwa. Qu'en est-il d'Obike? Je vais l'utiliser comme un agneau sacrificiel pour apaiser toute l'armée entière de l'au-delà. Va! 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 Il n'y a pas de problème. Maman, je suis... Maman, c'était une voix d'une femme. Alerte! Bien sûr, c'est la voix d'une femme. Et on dirait qu'elle est en détresse. En détresse? Oui. Tu veux dire qu'elle se fait attaquer par un animal sauvage ou quoi? Non, 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 non. Elle n'est pas attaquée. Avec mon expérience, je... Alerte! Ah, je crois que je pense autrement, Doubem. Obike, où es-tu? Alerte! Alerte! Mon bébé! Mon bébé! Alerte! Obike, où es-tu? Qu'est-ce que c'était? Je pensais que c'était une force puissante qui nous a renversés. Je l'ai aussi ressenti. Je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai aussi ressenti. Oh. Maman, c'est cette force qui a dû tuer cette non, femme. Non, non, non. Non. Elle est encore en vie. Elle n'est pas morte. Laisse-moi vérifier son corps. Attends. Elle a eu un bébé. Oh, elle a eu non, un enfant. Non, ne la touche pas. On part. Non, non, non. Laisse-moi l'aider. Partons. Elle est morte. Elle est morte. Mon Dieu. Non, partons d'ici. Ojongwa! Ojongwa! J'ai été attaqué par... J'ai vu ce qui s'est passé. Notre ennemi mortel les protège. Nous avons perdu la première bataille de la guerre. Le bébé est né sur la terre d'Egedege. Oui. J'ai réussi à tuer la mère et rendre le bébé aveugle. Mais quand j'ai essayé de... prendre la sage-femme et son fils aussi. Notre ennemi mortel les a défendus. La sage-femme s'est éberrée. La sœur biologique d'Obike. Celle qui avait été sauvée avec lui. Et leur mère, il y a de cela 32 ans. Tu veux dire que le bébé est sous la garde de sa propre tante? Ça m'a l'air arrangé, Ojongwa. Notre ennemi mortel a tout prévu.
depuis le premier jour et une fois de plus. L'au-delà l'apprend juste aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, Ojongo? Hein? Notre ennemi mortel a pris 32 ans pour se préparer à la guerre qu'il nous amène aujourd'hui. Tout ce que tu as vu et entendu au sujet d'Obike et des Bérets n'était pas une coïncidence. Ils ont été spirituellement préparés pour un but. Et ce but va pleinement se manifester si cet enfant survit et atteint l'âge de 15 ans. Alors, elle atteindra un niveau de spiritualité qui fera d'elle un instrument de vengeance. Nous pouvons juste les manipuler spirituellement afin qu'ils abandonnent le bébé volontairement pour que cela soit possible. C'est la deuxième phase de la bataille et toi, tu dois agir maintenant et les poursuivre avant qu'il ne se fasse trop tard. Vas-y maintenant ton épée du mi-ciel et reçois une fortification spirituelle en extra dont tu auras besoin pour réussir. Un bébé. Hey. Mon Dieu. Hey. Maman, écoute, nous devons rendre cet enfant. Maman, as-tu je t'en prie, écoute-moi, on doit rendre cet enfant. Maman. Comment peux-tu me demander d'aller rendre au bébé que tu sais qu'on vient de ramasser? Maman, et en plus, sa maman est morte. Ce bébé va nous créer des problèmes, tu vois pas? On nous créer des problèmes comment? N'est-ce pas toi qui as demandé qu'on prenne nos bébés pour aller s'en occuper? Maintenant, tu changes d'avis, pourquoi? J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis, maman. On doit retourner avec cet enfant. Si tu refuses, je vais te dénoncer à la police. Quoi? Va remettre cet enfant. Moi, je m'en vais. Va remettre ce bébé. Voilà, je t'ai prévenu. Appeler la police pour moi? Doubem! Maman! Maman! Ojongo! Qui est cette personne? Un messager de notre ami mortel. Un ange? Son ange gardien. Et Béret et son fils vont la garder, peu importe ce qu'on fera, à partir de maintenant. Et si on manipulait la police et retournait le peuple contre eux? Nous échouerons en fin de compte.
son ange gardien ferait n'importe quoi pour assurer notre échec. Nous avons encore échoué à une autre phase de la bataille. Donc, au lieu de continuer de perdre notre temps, il est temps pour nous de s'organiser et de se préparer pour la guerre que notre ennemi mortel nous a déclarée officiellement au travers de cette naissance. Ou au moins, survivre à ça, si et quand ça arrivera. Au moins survivre à ça, si et quand ça arrivera. Avec tout le pouvoir qu'on possède. Oui. En l'attaquant de façon indirecte et en faisant tout pour lui rendre la vie impossible. Dans le seul but de la frustrer. Au point qu'elle commette un suicide. Avant l'âge de 15 ans, et c'est le seul moyen d'empêcher la manipulation absolue de ses pouvoirs spirituels et de sa destinée, afin qu'elle ne se retourne contre nous sous le commandement de notre ennemi mortel. Je suis en train d'élaborer un plan. Rentre chez toi. Je te tiendrai informé une fois que je l'aurai terminé. Rentre sans inquiétude, car tout n'est pas encore perdu. Pars, fidèle, servante de l'au-delà. Pars! Pars! Hey, Osarati. Mama. Hey, ma fille. Oh. C'est comment, d'où est-ce que tu viens? Hein? Hey. Ah. Hey, oh. Attends. Laisse-moi t'aider. Iko et Anabiko. D'où est-ce que tu viens? J'étais dans la plantation de Maziene. Cherchais les feuilles de palmier pour faire le balai. Désolée de ne te l'avoir pas. C'est ok. Pas besoin de t'expliquer, je viens juste de rentrer. Oh, ok. Tu n'aurais pas dû te déranger pour du balayage, hein? Mais je dis que je n'avais pas d'argent pour acheter du balai, j'ai de l'argent pour acheter ça. Maman. Tu n'aurais pas dû endurer tout ça, cet endroit est très loin. Et si tu étais tombée sur une pierre et que tu t'étais fait mal, qu'aurais-je fait? Qu'aurais-je fait si tu t'étais blessée? Maman, je le sais. Bikono, ma fille. Mais Dieu a guidé mes pas sous son contrôle jusqu'à la maison. Maman, je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Les aveugles ont un Dieu qui voit pour eux et les conduit fidèlement dans le royaume qui leur est obscur. Ah. Maman, tu as mémorisé mon autre poème de foi. C'est pourquoi je t'aime. Je t'aime aussi, ma fille. Je t'aime beaucoup. Viens t'asseoir. Oh, viens. Laisse-moi te guider. Alambo, assieds-toi. Assieds-toi, hein? Voilà, ici. C'est ok. Maman, hein? Comment c'était au boulot? Viens, tu vas bien? Je vais très bien. S'il te plaît, ne sors plus comme ça de la maison. Oui, maman. Hein? S'il te plaît, ma fille, prochainement, ne te dérange plus comme ça pour ce jardin, toi, Biko. D'accord, oh. Maman. Ok, j'ai compris. Maman, s'il te plaît, allons à l'intérieur avant que l'odeur du moï-moï dans ton sac ne m'étouffe. Hey! Kosarati! Toi et l'odeur du moï-moï-moï au kafo. Hey! Maman, elle fait les meilleurs moï-moï. Vraiment? Alors, comment as-tu su que j'ai acheté le moï-moï aujourd'hui? Leur arôme est indéniable, maman. Tchaï! Tu es vraiment un enfant très spécial. Merci, maman. Tu es mon merveilleux ange. Je t'aime beaucoup, ma fille. Bon, allons dedans que je te donne ton moi-moi. Oh, on y va. Laisse-moi porter ton sac. T'inquiète pas, je porte le sac. À cause du moi-moi. Non, ne te dérange pas, je me charge de tout ça. Maman, vois-tu? Si tu avais pris ton argent pour en acheter, ça aurait été du gâchis. Regarde, on a presque fini. C'est presque fini. Mais je t'ai dit de ne pas t'en faire, ok? Et la prochaine fois, ne va pas te stresser, mais on a okay? presque je fini. Ne pas oh? Ok, sans problème. C'est bien. Toc, toc.
Mon frère Nana, comment tu vas? Comment tu vas, mon frère Nana? Je viens rendre les outils de chasse que j'ai empruntés chez Doubem. Les miens ont eu des soucis la semaine passée. Et le problème est résolu? Oui. Évidemment, je l'ai ramené avec 16 autres balles. Des balles? Des balles? Hey! Je ne comprends pas. Nana, qu'est-ce qui se passe? Maman Doubem, tu m'as payé pour que j'attrape un hameçon afin que Doubem le ramène en ville. Quand il reviendra passer le week-end ici au village avec vous tous. J'ai déjà acheté toutes les balles. Mais là, j'ai changé d'avis. Pourquoi? De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois payer la scolarité de mes enfants. C'est très important. La scolarité? Mais n'est-ce pas c'est Doubem qui paye la scolarité de tes enfants? Le fait que Doubem paye la scolarité de mes enfants ne doit pas être une quelconque priorité. La charité commence par chez soi. Il a vraiment besoin qu'on lui dise la pure vérité entre nous. De quelle pure vérité est-ce que tu parles, Nana? Voilà que tu recommences. La façon dont tu agis, on dirait que tout va bien. Maman Doubem, j'ai une question. Doubem est marié depuis déjà 7 bonnes années. Et il ne s'est encore rien passé. Mais alors, même pas une fausse couche. Il n'y a qu'une sorcière pour coordonner tout ça. Maman Doubem, tais-toi, je parle. Maman Doubem, n'es-tu pas une sorcière? Frère Nana, s'il te plaît, arrête. Tes paroles sont blessantes. Tais-toi! Il faut qu'elle me prouve qu'elle est innocente. En rappelant Doubem et sa femme à l'ordre, laissez-moi vous dire un truc. Les gens commencent déjà à beaucoup parler. Et ils te montrent déjà un doigt accusateur. Tu ferais mieux de faire quelque chose en tant que mère. Frère Nana, tes paroles sont comme des poignards qui transpercent quelqu'un dans le dos. Qui est-ce qui t'a monté pour ça? La ferme! Comment oses-tu m'accuser d'être la marionnette de quelqu'un? Hein? Comment oses-tu? Écoute, j'ai dit ma part. Tu dois faire quelque chose. Apprenti sorcière. Maman, ne t'occupe pas. Il n'est pas sérieux. Qu'ai-je fait pour mériter des mots aussi durs de Nana? Pourquoi est-ce qu'il me parle sur ce ton? Maman, ça va. Nana! Nana! Eh? Nana! Aïe! Comment aïe! 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 Comment oses-tu? Doubem, pardon, pardon. Comment tu peux aller chez moi et vomir? Vomir tout ce que t'as reçu de ma mère et ce qu'on s'est arraché hier. Qu'est-ce qui t'a pris? Hein? Nana, s'il te plaît. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après toutes ces années d'amitié, t'as choisi de pincer là où ça fait plus mal, Nana. Aïe, 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 aïe. Doubem, je suis désolé. Franchement, je ne peux expliquer ce qui m'a pris. Je suis désolé. Écoute, que cette chose que t'as prise soit prête. Sois prête à partir avec toi au commissariat et souffrir pour 2 semaines. Je suis parti d'ici, je paierai la police pour t'arrêter. Je paierai la police pour qu'ils te torturent et te prévent de nous retuer pendant 2 semaines. Aïe, pardon. Que tu peux parler à ma mère comme ça juste à ta guise. Ouvrir ta sale gueule et nous dire n'importe quoi. N'en est pas question, t'en sortiras pas. Je vais te donner une leçon. Je vais te traiter comme un ennemi. À partir de maintenant. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, non, ne monte pas. Mon mari ne sait pas ce qu'il lui a pris. Pardon. Il fait des folies depuis hier. S'il te plaît, pardonne-nous, s'il te plaît, pitié. Je te demande pardon. Je suis sorti hier, j'étais en route pour aller chasser dans la forêt d'Ichemi. Et mais sérieusement, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvé en train d'aller vomir tout ce que j'ai dit à Kosarachi et à ta mère. Si tous les deux n'avaient pas manigancé ces conneries que tu me racontes, pourquoi n'êtes-vous pas allés, toi en particulier, aller chez moi, présenter tes excuses à ma mère et à Kosarachi? Pourquoi? On était sur le point de partir, on avait peur de la réaction de ta mère. C'est pourquoi on y est pu aller. Oui. S'il te plaît, pitié, s'il te plaît, pardonne-nous. Pitié, pitié, Doubem. Doubem, 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 calme-toi, je suis désolé, tu es mon ami d'enfance, si ma famille mange aujourd'hui, c'est grâce à toi, Doubem, si mes enfants partent à l'école aujourd'hui, c'est grâce à toi,
Bonnie malazé nazé maname basé malem. Je suis désolé, désolé. Ça va. Je suis désolé. Ça va, c'est bon, c'est bon. J'ai dit que ça va. Lève-toi. Tu es sérieux? Ça devait être toi. Hein? Pourquoi t'es-tu laissé utiliser comme ça? Je suis désolé, je te jure, ça n'arrivera plus. Hey, nous sommes désolés. Maman, je suis désolé. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. Toutes les malédictions que tu as déversées sur moi, je les accepte. Je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé. Si tu veux me frapper, vas-y et frappe-moi. Peu importe ce que tu veux me faire, fais-le s'il te plaît. Mais je dois le dire, je suis désolé. Je suis désolé, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce n'était pas volontaire, s'il te plaît. Je suis désolé, maman. J'ai perdu ma mère à l'âge de 13 ans. Et depuis ce temps, tu es devenue ma mère. Maman, je suis désolé. Je suis désolé, maman. S'il te plaît, pardonne-moi. Si tu ne le fais pas pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît, fais-le pour ma femme et mes enfants. Nana. Maman. Je ne t'ai jamais maudit. Je ne t'ai aussi jamais insulté, d'ailleurs. Mais tout au contraire, c'est toi qui m'as insulté. Et ce qui m'a le plus fait mal, c'est quand tu as insulté Kosarati dans son état actuel. Pour moi, cela est impardonnable. Prie pour qu'elle te pardonne. Si elle le fait, moi aussi je le ferai. Je vous en prie, où est Kosarati? Je dois la voir. T'inquiète pas, je vais aller là. Elle n'est pas à la maison. Où est-ce qu'elle est allée? Elle est partie juste après que tu sois partie. Je ne sais pas où elle est. D'accord. Nana, si tu veux lui présenter tes excuses, tu vas devoir attendre jusqu'à ce qu'elle rentre. Mais tu dois prier, hein. Tu dois prier pour qu'elle te pardonne. C'est la personne la plus touchée dans tout ça. Tu l'as blessée profondément. Prie seulement qu'elle te pardonne. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà tout. Maman, je vais aller la chercher. S'il te plaît, je viens avec toi. Ma fille, viens, c'est parti. Viens. Je voulais y aller avec eux. Mon Dieu, tu es grand, tu es bon. Dieu vivant, Dieu très haut. Qui est là? Qui est là? Oui, battez-vous avec. Ce n'est rien. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse vraiment. Ce n'est rien. Que Dieu te bénisse, maman. Tu n'as pas besoin de me remercier autant. C'est rien. Ah, maman, je suis tellement contente de pouvoir encore compter sur toi. Même après avoir appris la raison du conflit entre mon mari et Kosarati. Kosarati a toujours été une très bonne fille, une merveilleuse fille en plus. Hey. Je suis sûre qu'elle lui a déjà pardonné de tout son cœur. Elle lui a déjà pardonné. Elle t'a ressemblé. Elle fait comme toi, maman. Pour ce qui est de la vertu, tu es l'incarnation de la bonté. Il n'y a personne dans ce village qui ne vous aime ni ne vous admire comme Kosarati et toi. Merci. Et pour mes enfants, elle est comme une sœur aînée. Et la meilleure en plus. Que quelqu'un m'aide! Je suis fini! Oh mon Dieu, c'est la voix de mon mari. Kosarati! Hein? Hey! Hey! Kosarati! À l'aide! À l'aide! Hey! Que tout le monde vienne! Hey! Il est mort! Il est mort! Il est mort! Mon fils est mort! Kosarati! Hey! Mon fils est mort! Oh mon
Kosaratsi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti quelqu'un venir. Je suis juste allée pour voir maman. Ifonti! Mais moi. Tu avais le couteau entre tes mains. Je n'ai pas commencé à retrouver entre mes mains. Je te le jure, maman. Hey, wow. Comment va-t-il se passer? Maman, comment va-t-il se ne passer? Rien ne va se passer, n'est-ce pas? Je te crois, je ne te laisserai pas seule. Oh, okay. Oh, rien ne se passe. Je te crois, je ne te laisserai pas seule. Oh, je ne te laisserai pas seule. Je te comprends. Je te comprends. Avance! Allez, avance! Allez, avance! Avance! Marche! Plus vite, allez! Lève-toi, marche! Mais c'est bon! Allez, plus vite! Avance! Allez, arrêtez! Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh non! Nous l'avons sauvée des mains d'un groupe de furieux qui voulaient la tuer! C'est vrai, ça? Oui! Elle a tué Edou, le fils de Nana! Monsieur, je n'ai rien fait! La ferme! On t'a trouvé dans la brousse, près du corps avec le couteau en main! Et tu veux encore nier? Allez, ferme ta gueule! Tu veux dire? Elle a tué le fils de Nana? Oui! Elle a tué! Elle a fait! C'est elle! Oui! Elle a tué! Ferme ta gueule! La ferme, tu l'as tuée! Je ne l'ai pas tué! Pourquoi tu veux nier? On t'a amené là! Et j'étais là en prison! Je veux allez, lève-toi! Avance! Avance! Allez! Avance! Avance! Alice, je n'ai rien à manger. J'ai faim. Alice, ce n'est pas à toi que je parle. Tu cherches à manger, Nana. Nana, laisse-moi te demander, où est mon fils Nedou? Où est notre fils Nedou? Il est où? Ceux qui ont tué notre fils sont en liberté. Et toi, tu demandes à manger, Nana. Nana, tu ferais mieux d'aller venger notre fils. Va venger la mort de mon fils, Nana. Toc, toc, y a quelqu'un? Nana. Ah, Naï. Bonne arrivée. Merci. Comment tu vas? Que me vaut ta présence ce matin? J'espère que tout va bien. Comment les choses peuvent-elles aller bien quand tu convoques les anciens? Je suis venu au nom des anciens. Naï, assieds-toi. Assieds-toi. Merci. Alors, quel est le problème? Naï Obonya. Naï, je ne suis pas content! Cette fille a tué mon fils. Elle a poignardé mon fils avec un couteau qu'on a déclaré être le leur. Doubem et moi l'avons surpris avec. Naï, cette fille est une meurtrière. Elle doit être tuée. Je veux savoir où se trouve le corps de ton fils. Comme je te l'ai dit, Doubem est parti avec le corps. En tant qu'ono de cette communauté, écoute, tu sais, ma mission est de renforcer les coutumes et les traditions prescrites de telles situations. Et notre coutume dit qu'en cas de meurtre, au cas où quelqu'un commet un meurtre dans ce village, il doit être banni ou tué en retour. Oh non, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas si mon cas est spécial. Bien, cela ne peut que être possible si le corps de la victime est identifié.
jusqu'à ce que l'enfant ne soit déclaré mort, nous ne pouvons rien faire. Es-tu sérieux? Oui, c'est ça les coutumes, les traditions de notre communauté. Voulez-vous jouer à ce jeu? Naï, voulez-vous jouer à ce jeu? C'est ça la tradition. Voulez-vous jouer à ce jeu? Ok, pas de problème. Non, non, pas de problème, pas de problème. C'est compris, pas de problème. S'il te plaît, je veux que tu restes avec ce garçon. C'est pas prudent de le laisser tout seul ici. J'irai à la maison chercher Cosa. T'inquiète pas, je vais la retrouver. Peu importe où on l'a enfermée, je vais la trouver. Mon fils, de l'eau. Donne-lui de l'eau. Donne-lui quelque chose à manger. Il doit manger. Hein? S'il te plaît, des habits. Donne-lui aussi des habits de rechange. S'il te plaît, il fait froid là-dedans. Oh, Biko, oh. S'il te plaît, fais tout ce vas-y, que entre. Tu peux, mon fils. Biko, d'accord, oh. Entre. Je s'il reviens. Mon fils, oh. Maman. Donne-lui de l'eau. D'accord. L'eau est très importante. Oh. Fais tout ce que tu peux pour sauver ma fille, ok? Oh! Ah! Eke, moi, eh oh! Eh! You are covenant-keeping God. You are the covenant-keeping God. Yahweh, the covenant-keeping God. You are the covenant-keeping God. You will never leave me. You said you will never forsake me. You are beside me, and that is all that matters. You will not leave me. You say you will never forsake me. You are beside me, and there is all that matters. You are the covenant-keeping God. You are the covenant-keeping God. You will never leave me. You said you will never forsake me. Oh, mon Dieu, je t'en supplie, je ne sais quoi faire. Aide-moi. Eh oh. C'est bon, c'est ok. Tu es maintenant à la maison. Oh, tu es déjà à la maison. Tu es déjà à la maison, ma fille. Hey, ma fille. Ma fille.
C'est bon, hein, Nem. C'est bon. Tu as la maison. Tu es maintenant en sécurité. Tu le sais? Maman, ça ne va pas. Ça ne va pas. Les anciens ont ordonné que je quitte la communauté. Dans un délai de 7 jours, et je reste bannie pour le reste de ma Quoi? Vie. Quoi? Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi qu'elle ment. Hey! Maman, elle ne ment pas. C'est vrai. Hey! Maman. Hey, oh! Hey, oh! Doubé, pourquoi? Ce matin, tu es venu avec 2 aînés à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils ont vu l'enfant en vie et ils ont vu comment je le remettais à ses parents. Et tu as géré toutes les factures de l'hôpital, ils étaient là. Tout s'est passé sous la Ils ont dit qu'ils devaient aller voir le conseil. Ils ont dit qu'ils devaient me relâcher cet enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'elle a fait des bombes? Qu'est-ce qu'elle a fait quand elle fait pour qu'elle puisse être bannie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Parle-moi, Doubène. Ils ont dit que j'ai commis une abomination en conspirant avec toi, en lui apportant à manger. Ils ont dit que je devais pas lui apporter à boire et des nouveaux vêtements, voilà. Oh mon Dieu. Et notre punition, c'est que... on est banni de la communauté d'Adjagua pendant 7 ans. Et céder tous nos biens, y compris notre maison, aux autorités locales. Hey, au Cassidien. Hey! À nous, aimez-nous mort! Qu'en sera-t-il? Maman, je n'avais pas d'autre alternative. Ils ont dit que je dois être bannie et j'ai choisi d'être bannie. Hey, non. Va. Non, ça ne peut pas se faire. Ils ne peuvent pas te bannir de cette communauté. Ah! Laisse-les tout prendre! Laisse-les tout prendre, laissez prendre même les maisons. Laisse-les tout prendre, les terres et tout. Le champ, tout, qu'ils prennent tout ce qu'ils veulent prendre, mon fils. Tu es riche. Qu'ils prennent. Tu as de l'argent pour remplacer tout ça. Je ne leur ai pas dit ça, tout même. Je leur ai dit ça et même plus encore. Elle n'a pas accepté. Tu n'as pas accepté. Tu vas être banni. Papa, je l'ai fait pour vous épargner tous les deux de l'humiliation. Banou, banou. Papa. Frère Doubène et toi avez tellement fait dans ma vie depuis que je suis née. L'héritage de frère Doubène n'est pas quelque chose que l'on doit jouer avec, maman. Non. Tu n'as rien fait, mon enfant. Tu es innocente. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas tant fait. Hé! Abba ou Noumo? Hé! Ça va. Hé? Adedama! Doubène, regarde-moi. Que vais-je faire? Elle ne pourra pas le supporter toute seule. Non, cette fille ne pourra pas le supporter toute seule. Eh oh, bam, bam, bam. Ça va. Non, non, non. Ça va. Non, je ne peux pas te laisser partir. Non, je ne peux pas te laisser partir. Tu es innocente. Tu es innocente. Oh, tu ne peux pas partir. Hey, salut. Toi aussi, tu m'as manqué. En plus, j'avais peur pour toi, pour maman et pour Kozarashi. Je sais, et c'est la raison pour laquelle je t'ai caché tout ce qui s'est passé là-bas. Je ne comprends pas. Tu veux dire qu'il s'est passé autre chose, hormis des choses affreuses que tu m'as dites? Oui, mon amour, t'inquiète, je vais tout te raconter à l'intérieur. James? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Ça ne va pas la tête? Sais-tu à qui tu t'adresses? Je suis désolé, madame. Alors réponds-lui immédiatement. Monsieur, le truc, c'est que je ne sais pas ce qui se passe en bas de mes deux boules. Je ne sais pas ce qu'ils ont, monsieur. Ça me démange. Ferme-la! Ferme-la! Espèce d'idiot.
Il t'avait dit de ne pas réveiller le chat qui dort. Et t'as insisté. Maintenant, tu vois ce qui se passe. Pourquoi tu te plains? Ce gars est très stupide et c'est très agaçant. Ça va. Sors mes valises. Ok. Non, non, non. Je vais le faire moi-même, ok? Je ne veux pas que cet idiot fasse quoi que ce soit. Si j'entends un seul mot. Je suis désolée, madame. Idiot. James! Madame! Sors les valises. Monsieur, madame, j'ai cru que vous vouliez sortir les valises. Sors les valises! Désolée, désolée, madame, désolée. J'y vais, j'y vais. Les aînés ont-ils pu souhaiter une telle punition à maman et à toi? On était aussi choqués que toi. Vraiment choqués. Parce qu'on n'avait absolument aucune raison de ne pas faire ce qu'on a eu à faire. Je veux dire, si je ne faisais pas ce que j'ai fait hier soir, Kozarashi aurait perdu la vie bien avant le lever du jour. Nana et sa femme l'auraient tué à cause de leur méchanceté. La pauvre fille serait morte de froid et je suis sûre que c'était leur plan. Mais bébé, bien que je soutienne ce que maman et toi avez fait, en même temps je me mets à la place de Nana et de sa femme. Et je n'arrête pas de me demander ce que j'aurais fait dans une situation pareille. De quoi est-ce que tu parles? Hein? De quoi est-ce que tu parles? Tu ne devrais pas les défendre après qu'ils aient affiché un tel degré de méchanceté, sans même se soucier où leur fils était, encore moins ce qu'il était devenu. Voyons, cela devrait être le plus important pour n'importe quel parent là-dehors. Sauver la vie de leur enfant mourant ou une vengeance d'une telle nature, c'est ça pour toi? Eh bien, à ce stade, ils sont vraiment allés très loin. Et la décision de Kozarashi est une décision vraiment très difficile. J'admire le courage de cette pauvre fille. Prendre une telle décision malgré son handicap. La famille, c'est tout. Tu m'as donné une famille. Et j'ai donné ma zone de confort pour eux. C'est pas grand-chose pour moi. C'était ce mot exact à maman et à moi quand on s'inquiétait pour sa vie aujourd'hui. Elle a dit ça? Dieu merci, elle a une autre maison ailleurs que notre village, avec des gens de sa famille qui vont lui faciliter le changement d'environnement. Tu ne te réfères pas à cette maison et nous, n'est-ce pas? Voyons, chérie. Nous sommes une famille. Moi, maman et toi. Nous sommes la famille que Kozarashi possède. Maman et toi. Personne d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi dresser la table. Qu'est-ce que maman appelle à cette heure? Allô, maman? Oui, je suis bien arrivé à la maison. Je t'ai appelé dès que je suis arrivé, alors pourquoi tu m'appelles pour me poser des questions encore et encore? Elle va bien. Qu'a dit ma femme par rapport au fait que Kozarashi vienne vivre avec nous? Eh bien,
J'ai pas eu le temps encore d'en parler avec elle, mais je le ferai. Maman, te dérange pas. Vous arrachez encore 7 jours à passer avec toi. Profite des séjours avec elle pendant que je mets tout en place pour son arrivée ici. Oui, elle va bien, elle est endormie. Oui, je lui dirai. Passe une bonne nuit, maman. Maman t'envoie ses salutations. Tu lui as menti. Ton silence depuis que j'ai dit que Sarachi va nous rejoindre ici ne m'a pas laissé d'autre choix. Cette fille est aveugle. Ne le vois-tu pas? Et elle viendra sûrement m'imposer une routine à laquelle je ne suis pas habituée. Nous savons tous les deux que je serai la seule à assumer les conséquences de la présence de Korachi dans cette maison. Et personne d'autre. As-tu pris tout cela en considération quand tu planifiais tout cela au début sans m'inclure? Eh bien, je suis désolé. C'est pas déjà assez évident qu'elle n'a nulle part où aller à part ici? Il existe des espaces fondés par des agences du gouvernement, des ONG qui pourraient subvenir à ses besoins. Eh bien, ma chérie, tu commences à dire plus qu'il n'était permis de dire. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Donc, en effet, tu me demandes de la fermer? Ça veut dire que tu dois commencer à penser à la famille. Je veux dire, ta sœur nous a rejoints juste après qu'on s'est mariés. Je ne me suis jamais plaint. Ma sœur biologique. Et elle n'est pas aveugle. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Tu veux réveiller le diable en moi, c'est ça? Si. Tais-toi. Ferme-la. Rendors-toi maintenant. Et tu ferais mieux de ne plus jamais le répéter. Chérie, t'es là. Ne t'ai-je pas dit quand on s'est réveillé que je sortirais plutôt pour aller à l'hôpital? Je sais ce que tu as dit. Ok, d'accord. Alors pourquoi la salle à manger vide? Il est où le petit-déj? Il n'y en a pas. Je ne suis pas d'humeur. Es-tu sûre que tu es prête pour ce que tu commences? Zubem, s'il te plaît, je ne suis pas prête pour tes menaces et tes cris ce matin, ok? Je ne suis pas prête, je veux dire, il est très tôt. Oh, je serai dans la chambre. Viens-tu de m'appeler, Zubem? C'est comme ça que Jésus veut me remercier pour tout l'amour et l'attention que je lui ai donné. C'est comme ça que tu veux me faire passer pour un idiot après avoir traité les membres de ta famille comme les miens. L'amour et l'attention que ma mère et Kozarachi t'ont donné depuis qu'elles t'ont rencontré. C'est de cette façon que tu veux les remercier. Ok. Y a pas de problème. Allô, Tonya? Je veux que tu laisses tout ce que tu fais dans le campus. Va à la maison et ramasse tout ce qui t'appartient, absolument tout, et va-t'en aujourd'hui. C'est pas moi qui te fous à la porte, c'est ta sœur. Alors garde toutes tes questions pour ta sœur quand tu seras à la maison. Là. James! Je le savais! Tous ces brigands!
est là? Oh, mamma mia! James, ouvre le portail, c'est Tonya! Hein? Tonya? Oh! Désolé. Ouvre ce portail! Désolé. Tu es malade? Franchement, désolé. Tu as perdu la tête? Pourquoi est-ce que tu as mis autant de temps pour ouvrir ce portail? Pourquoi tu as mis autant de temps? Est-ce de ma faute? J'étais dans les toilettes, je me lavais. Je n'ai pas... parce que ces temps-ci, le quartier est vraiment très dangereux. Donc, quand tu vas ouvrir le portail, tu dois te rassurer dès qu'il frappe. C'est pourquoi j'ai essayé... Tu es vraiment très stupide. Ah, pourquoi tu chauffes cet après-midi, Cassilia? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, idiot. T'as encore chopé une MST, c'est ça? Hein? Pardon. Je demandais si t'as encore chopé une MST. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je demandais si t'as... Comment oses-tu m'insulter? En plus, tu répètes. Est-ce que tu es malade? Comment oses-tu m'insulter? Espèce d'idiot. Espèce de... D'erreur de la nature. Ah. Idiot. Je t'avais prévenu. Tonya. Je t'avais prévenu. Arrête ça. Tonya, ça suffit. Serait-il vient de m'insulter? Il vient juste de m'insulter. Tonya. Comment peux-tu t'amuser alors que ta maison est en feu? Serait-ce cet idiot vient juste de m'insulter? Oui, la paix vient à l'intérieur. Tonya. S'il te plaît, peux-tu laisser cet idiot? Je vais te donner une leçon. Je te jure que je vais te donner tranquille. Une leçon. N'importe quoi. Laisse-le tranquille. Serait-il vient? Il vient juste de m'insulter. À l'intérieur. Je t'avais pourtant prévenu que ce gars allait te battre. Il va te battre. Mais tu ne cesses pas de le suivre. Il va te battre, mais tu le suis toujours. Maintenant, t'es là. Je te préviens. Viens me battre, alors. Laisse ce gars. Quitte ce gars. Tu ne veux pas le quitter, hein. Je te préviens. Viens me frapper, alors. Bim. Serait-ce qu'est-ce que... Non, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? James n'a jamais osé m'insulter comme il vient juste de le faire là-dehors. Et ton mari m'a demandé de sortir de chez lui. Et a également demandé à James de m'insulter, n'est-ce pas? Tonya, ne fais pas l'idiote. Tobem n'a pas demandé à James de t'insulter. Comment est-ce que tu le sais? Parce que selon toi, il n'a ni pris tes appels, ni répondu à tes messages depuis que je t'ai raconté ce qu'il m'a dit. Ou alors est-ce qu'il t'a dit que c'était une erreur? Est-ce qu'il a dit que je peux rester? Serait, réponds-moi, tu... Il ne prend pas mes appels non plus. Je suis même allée à l'hôpital le voir, mais il ne m'a pas laissé entrer. Quoi? Mais quel genre de querelle est-ce que vous avez eu au point de... Tonya, s'il te plaît, on n'a pas le temps de trop bavarder en ce moment. Alors, je devrais juste aller à l'intérieur et plier mes bagages? C'est ça? Tonya... Tout ce que je te demande de faire maintenant, c'est d'appeler Dubem avec ton téléphone et voir s'il décroche. Ok? Ok. Mets-le sur haut-parleur. Ça sonne. T'as fait ce que je t'ai dit, Tonya? Dubem, comment peux-tu faire une telle chose? Comment peux-tu traiter ma sœur comme une merde? Essayes-tu de te venger? Juste pour te montrer que le jeu de l'amour, la haine, la tolérance... L'égoïsme, tout le monde peut jouer à ça. Oui, nous allons jouer à ce jeu à partir de maintenant. Tobem, tu y es très... J'ai décidé d'amener Kuzarashi ailleurs, comme tu le voulais, d'accord? Donc envoie ta sœur ailleurs, comme je le veux aussi. Désormais, ce mariage est strictement entre toi et moi. Et si je vois un membre de ta famille, y compris tes amis, chez moi, considère que ce mariage est terminé. Cela commence aujourd'hui à mon retour du travail. Es-tu en train de menacer de divorcer? Vraiment? Non, je menace l'inconnu que tu es devenu à mes yeux. Tu as refusé de voir ma sœur parmi nous. Tobem, écoute. Tu sais que je n'ai pas de boulot. Je n'ai pas d'argent pour louer un truc à Tonya en ce moment. Bonne question à une mauvaise personne, ma chère. Les problèmes de ta famille ne sont plus les affaires de Tobem. Et s'il te plaît, je suis occupé. Non, ça ne peut pas arriver. Non, Serait, ça ne peut pas arriver. Serait, qu'est-ce que tu as bien pu faire à sa sœur qui a transformé ton tendre et adorable mari en cet étranger que je viens d'entendre? Je ne veux pas arrêter mes études, je ne veux pas. S'il te plaît, calme-toi, tu ne vas pas arrêter tes études. Mais il vient juste de le dire. Ah. Non, calme-toi. Assieds-toi. J'aimerais te parler de quelque chose.
Ok. Tu sais... avant de me marier à Toubem, il y a de cela 7 ans. Ok. Il venait juste de rompre il y a 6 mois. En fait, il était déjà fiancé à une femme qui attendait de lui un enfant de 2 mois. Alors, comment est-ce que tu as terminé avec lui en tant que sa femme? Comment? La... Ezemoigne, la prêtresse d'Ojunko, au village, maman m'a emmenée chez elle, Seigneur, pour manipuler Toubem afin qu'il chasse l'autre femme et m'épouse moi. Quoi? Comment est-ce que maman et toi avez bien pu aller jusqu'au point d'être aussi méchante? Comment? Tonya, s'il te plaît, arrête, ne nous juge pas maintenant. Comment peux-tu dire cela? Ne vois-tu pas tout ce qui nous arrivait ces temps-là? Papa était mort, maman n'avait pas de boulot. Et le petit boulot que je faisais ces temps-là ne pouvait pas nous aider. Je devais subvenir aux besoins de toute la famille et subvenir à mes propres besoins. Tu t'attendais à quoi? Le mec avec qui je sortais à cette époque était juste aimant. C'est vrai que je l'aimais, mais ce n'était qu'un bon à rien. Toubem, au contraire, je ne l'aimais pas tant que ça. Mais il avait tout l'argent dont j'avais besoin. Du coup, j'ai dû utiliser mes 2 mains pour saisir cette opportunité. Alors, en d'autres termes, peu importe ce que maman et toi avez bien pu faire, ça a expiré. C'est ça? Je ne pense pas que ce soit ça. Maman m'avait dit 2 ans avant de mourir qu'elle avait eu un accord avec Ezemoigne qui nous implique toutes les deux. Moi? Dieu m'en garde! Est-ce que tu as dit moi? Comment? Oui! Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Veux-tu quitter cette maison? Veux-tu abandonner tes études? C'est ce que tu veux? Non! Non! Alors tu n'as qu'à te calmer! Maman m'avait dit qu'après mes 7 ans dans ce mariage, je prendrai connaissance de cet accord. Et je suis à 7 ans de mariage avec Toubem. Alors, qu'est-ce que tu essaies de dire? Nous devons aller au village. Je suis la force qui l'a menée dans la forêt. Je suis la main qui a tué Nedou, le fils de Nana. Quoi? Donc, Kosarachi ne mentait pas quand elle disait que ce n'est pas elle qui a tué ce garçon? Tout ce qui est arrivé dans ce village ces derniers jours est arrivé pour un but. Et le but est de faire en sorte que Kosarachi vienne chez toi pour qu'elle soit à notre merci. Notre? Ojunko avait signé un contrat avec ta mère il y a de cela 7 ans. Et ce contrat fait de toi, ta sœur et moi, une équipe, unis corps et esprit, au service de l'au-delà. Moi? C'est toi qui a été choisi par les maîtres de l'au-delà en tant que mon successeur. Je rejette. Je rejette. Le seul moyen pour que les maîtres de l'au-delà te laissent et choisissent une autre, c'est de tout faire pour l'accomplissement de cette mission. Fusserait Kosarachi au point où elle se suicide. Ou alors, faites en sorte qu'elle perde sa virginité. Les deux doivent s'accomplir avant les 6 prochains mois. Il s'est moigné, mais c'est... Ojunko est en possession de tes entrailles. D'après le contrat qu'on a signé avec ta défunte mère. Et le seul moyen pour qu'on te rende tes entrailles est que tu parviennes
à accomplir cette mission. Dans le cas contraire, vous allez devenir folles toutes les deux pour le restant de vos vies. Mais Ezenwanyi, avec tout le pouvoir qu'Ojonko et vous possédez ou contrôlez, pourquoi ne pas juste tuer Kosarachi ou alors manipuler des criminels pour qu'ils la kidnappent et la violent si vous voulez que cela lui arrive si désespérément? Pourquoi ne le faites-vous pas? Toute tentative de meurtre contre elle va se retourner contre les commanditaires. Comme je l'ai dit plus tôt, vous avez 6 mois pour accomplir cette mission. Pas plus, pas moins. Serais-tu sérieuse? Non, mais c'est impossible. Arrivons d'abord dans la voiture. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire, Serette. Je ne peux pas devenir une vulgaire prêtresse pour un réchuvat. Toi, Tonya, je t'en supplie. Nous sommes à côté du village d'Akedek et quelqu'un de notre village pourrait nous entendre. Je m'en fiche. Est-ce que j'ai l'air de m'en soucier? Je m'en fiche. Qu'ils nous entendent. Serait-ce puisque maman et toi n'avez pas pris mes émotions et mon avenir en considération avant d'aller traiter avec le diable à mon compte? Je n'en ai rien à faire. Tonya, je t'ai dit que j'ai appris l'existence de ce type à travers maman il y a 2 ans. Je suis juste comme toi, je viens aussi d'apprendre les détails des émoignants aujourd'hui. Et tu penses que cette stupide explication enlève la responsabilité de cette méchanceté de votre part à mon égard? Bien sûr que non, bien sûr que non. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Alors garde-les pour toi. La seule chose que je veuille entendre de toi, c'est une solution pour sortir de ce merdier dans lequel maman et toi m'avaient mise. As-tu entendu ce qu'elle s'est moignée? Je m'en fiche éperdument. Peu importe ce qu'elle a dit, ce ne sont pas mes affaires, ce sont les siennes. Alors s'il te plaît, ne m'en parle plus, sinon je vais péter un câble ici. Est-ce que tu as vu une fabrique ou un magasin dans ce sanctuaire? C'est le cas? Tonya, s'il te plaît, laisse-moi te rappeler au cas où tu aurais oublié. Je fais des études d'ingénierie. Et je compte travailler dans ce domaine pour être utile à moi-même et être utile à l'humanité. Je ne voudrais pas finir comme cette vulgaire prêtresse à cause d'un fichu pacte. Il y a un moyen. Serait le seul moyen de s'en sortir, c'est de devenir des démons humains pour cette pauvre fille aveugle et innocente. Le seul fait d'y penser me remplit de dégoût. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est le cas? Le truc, c'est que tu vas finir par devenir ce que tu crains tant. Et puis moi, une grosse folle alliée. Maintenant, dis-moi, Tonya, entre devenir la prêtresse d'Ojunko ou finir nue comme une pauvre tarée au bord de la rue, quelle option préfères-tu? Dis-moi, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que tu as un plan? Je n'ai aucun plan pour le moment. Mais je ne sais pas, je n'ai pas d'autre choix. Je dois aller chercher Kosarachi pour la ramener à la maison. Tout ce que je peux faire pour le moment, c'est aller dans le village de Doubem et l'emmener. Je ne peux pas rentrer en ville sans Kosarachi. Tu viens avec moi ou pas? Est-ce que j'ai le choix? Dans la voiture, s'il te plaît. Oui, qui est-ce? Ah, monsieur? James? Monsieur? Je ne vois pas la voiture de ma femme dans la cour. Elle t'a dit qu'elle partait où? Mamma mia! Monsieur? Au moment où je suis en train de vous parler, là, votre femme est en route pour le campus. Elle est allée battre Mike Tyson. Je comprends pas de quoi tu parles. Je vais vous choquer. Monsieur, le petit ami de Tonya au campus a battu Tonya. Puis je vous assure que si vous aviez vu la façon dont... Arrête. Je vous dis, monsieur, ce gars est vraiment brut. Il l'a fichu, Tonya. Donc, elles sont en route, elles partent me taper. C'est bon, t'as fini? Eh bien, merci. Je n'ai pas fini, monsieur. Pas du tout.
Monsieur, je ne suis pas un petit garçon. Monsieur, regardez-moi de la tête aux pieds. Je ne suis pas un petit garçon. Je suis un homme de 70 ans. Je ne suis pas un petit garçon. Tonia est venue ici, elle me parle n'importe comment. Monsieur, elle n'est pas mon boss. C'est vous, mon patron. Donc Tonia n'a pas le droit de venir ici et me pointer du doigt. C'est un gros manque de respect. Je n'aime pas ça. Tonia me parle et me fait des menaces. Comment? James. Monsieur. Rapproche-toi. Allez, viens. Monsieur, je m'approche. Encore plus. Voilà, monsieur. Est-ce que tu sais la fermer? Monsieur, pardon? Est-ce que tu sais la fermer? Monsieur, je vous demande pardon. J'ai dit, est-ce que tu sais la fermer? Ah, oui, 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 monsieur. Je sais, monsieur. Alors, oui. Ferme-la en permanence. Et dégage devant moi. Fous le camp. Ok, monsieur. Où est-ce que t'es? Je suis au village. Pas le mien, le tien. Présentement, j'ai garé là sur ta cour avec Tonia. Oui. J'ai longuement réfléchi à propos de tout ça et j'ai réalisé que c'était stupide de ma part de m'opposer à ta décision pour que Kozarachi vienne chez nous. J'ai compris mon erreur. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit la nuit dernière et aussi ce matin. Kozarachi fait aussi partie de cette famille, peu importe ce que les gens diront. Et toi, tu as toujours été génial envers moi. Tu... envers ma famille et envers tout le monde. Tu nous as montré ton amour et ton attention. J'aime véritablement ta famille. Je les aime vraiment beaucoup, y compris Kozarachi. Oui, donc, j'ai dû descendre au village pour l'emmener avec moi. Et je te promets, et je promets de donner tout l'amour et l'attention à Kozarachi dont elle a besoin. Malgré sa situation, je suis prête à lui donner tout l'amour dont elle a besoin. Oh mon Dieu. Quiconque a dit que les femmes sont les maillons faibles a fait une grosse erreur. Parce que, lorsqu'il s'agit du domaine de la famille, elles ne sont pas juste plus fortes que les hommes. Elles sont bien plus stratèges et elles sont les maîtresses de l'action, d'un léger pouvoir. Seigneur, je te remercie d'avoir laissé la sagesse prendre le dessus sur ma femme. Merci d'avoir sauvé mon mariage. Seigneur Dieu, je suis très reconnaissant. Je suis tellement, tellement reconnaissant. Ah, monsieur? Ah, oh, Dieu merci, monsieur. On dirait que, à vous voir sourire, on dirait que madame et Tonia ont gagné la bataille. Oh, Dieu merci. James. Monsieur? Écoute, jamais tu dis encore ne serait-ce qu'un mot. Je vais sortir d'ici. C'est clair? Oui, monsieur. Non, retourne. Oh. J'ai dit va-t'en. Oui, monsieur. Fous le camp. Je m'en vais. Allez, monsieur. Vas-y. Ekwenaya! Maman! Jizzy! Comment tu vas? Je vais bien. Eh oh, ma fille! Maman! Non, non, non. L'eau va te salir. Maman, c'est laisse, bon, on va te salir. On va l'aider. Non, 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 laisse. Hey. Maman! Hey. Maman, bienvenue. Hey, ma fille! Maman! Hey. Ma belle fille, toujours souriante. Hey, oh, hey vous belle, êtes là. Kozarachi. Hey. Oh, comment je tu vas, fait, maman? Oh, comment tu regarde comment tu vas. Hein? Tu vas me faire le cadeau si de belle. Ce que tu es en train regardez de regarder là. Il n'y a pas de problème, maman. Je suis sûre que tu es belle. Aisez-moi. Ah!
Non, mais qu'est-ce qui arrive à cet idiot? James, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? James, pourquoi t'exerces-tu et transpires? Madame. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, bienvenue. Madame, j'essaye de garder la ligne. Ouais, je fais des exercices. Je me souviens, à l'époque, j'étais une machine de guerre, madame. J'étais une machine. Je dois récupérer mes bidoches. Ah oui. De quoi exactement est-ce que tu parles? Ah oui. La dernière fois, ils sont venus ici. Me menacer, me pointer du doigt. Plus jamais. N'importe qui viendra encore ici me pointer du doigt. Je vais... Hey! Il aura affaire à moi. Ma puce, il y a vraiment de quoi rigoler. Donc, James. Madame. Tu t'entraînes à cause de ma sœur. Ma mamie. Oui. Dieu merci, ils sont là. Et ils peuvent voir mes bidoches les effrayer. Quand ils m'ont menacé la dernière fois, ils m'ont pris pour un petit gars. Je vais leur montrer ma touche maintenant. Je vais leur montrer. N'importe quoi. Tata, qui est-il? Ma chérie, c'est notre nouveau gardien. Est-ce que tu viens de dire gardien? Ou alors le clown qui surveille le portail pour un salaire et qui irrite les gens gratuitement? Toi, je vais te donner une leçon, idiot. Regardez-la. Ce n'est pas de ta faute. Est-ce que... Frère Doubem. Gozarachi. Ce n'est pas cet idiot. Ce clown. Il m'accuse d'avoir chassé l'ancien gardien avec ma morsure. Comment est-ce qu'il peut me balancer de tels mensonges à la figure? C'est idiot. Ce n'est pas de ta faute. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu regardes? Cesse de me regarder. Arrête de me regarder. C'est bon. James, arrête. Monsieur, celle-là, c'est une menteuse. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai supposé que tout ce boucan et tout ce bavardage, toutes ces menaces qu'elle fait, je suis sûr qu'elle a fait à l'ancien gardien qui était là. Et c'est pour ça que l'ancien gardien est parti. Est-ce que tu entends ça? Je me défends. Tu prends ça au sérieux? T'as vu la personne avec laquelle tu te querelles? Arraché. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Toi et moi dans cette maison. Je t'attends. Toi et moi dans cette maison. Oui, viens. Eh, Kozara, mon bébé. Sois la bienvenue. Ok. C'est par là. C'est déjà arrivé. D'accord. Voilà, tu peux t'asseoir là. Très bien. Gozara, t'es la bienvenue chez toi, d'accord? D'accord, merci. Merci beaucoup, Franchin. La même agréable, merveilleuse et positive énergie à chaque fois que je suis près de toi. Merci infiniment. J'aimerais te dire que désormais, tu es membre de cette famille. Oh oui. Ok? Que Dieu bénisse ton séjour. Merci beaucoup, tante Tizi, de m'avoir accepté de tout cœur. Merci à toi aussi, tante Tonia, d'avoir accompagné tante Tizi au village pour me chercher. Oh. Ça me va droit au cœur. Je t'en prie. Et le gardien, il est tellement drôle et rempli de beaucoup d'énergie. Je crois que j'aurai de grands moments fous de rire pendant que maman me manquera horriblement. Oh. Ne fais pas attention à lui. C'est juste un idiot Tata, stupide. On dirait que tu le prends trop au sérieux. Merci beaucoup pour cette remarque. Et s'il te plaît, augmente le volume. S'il te plaît, augmente le volume. Rien ajouté, Tonia. Tu sembles prendre James trop au sérieux. Écoute, si tu arrêtes, tu vas plus rigoler. D'accord? Exactement. Tu sais, parfois, il nous tape sur les nerfs, ta sœur et moi.
Mais c'est rien comparé au moment de joie qu'on a. Exactement. Il nous fait tellement rire de fois. Alors maintenant, je veux que vous veniez toutes les deux avec moi dans la deuxième chambre. La chambre d'invité. J'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à nous montrer? Qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai dit quelque chose à vous montrer et pas quelque chose à vous dire. Alors viens. Ok. Allez, viens avec moi. Viens. Je suis juste à tes côtés. Ok. Sinon... Et voilà. Ok. C'est la porte? Oui. Et oui. Et voilà, nous y sommes. Waouh. Waouh. À partir de maintenant, ici sera ta chambre. Waouh. La voyant au travers des yeux de Tata Tizi et Tata Tonia, je me sens comme un ange. Oh oui, t'as toujours été l'ange de la maison, ma chère. On t'aime beaucoup. Merci, frangin. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Et ça, c'est pour toi. Oh mon Dieu, bébé. Des peluches. Waouh. Merci beaucoup. Oui, ça l'est. Je l'ai fait pour Kosaragi. Je t'ai acheté un nouveau lit. Tout ça pour moi? Oui. Merci beaucoup. Je t'en prie. Frangin, je peux parler avec maman sur ton téléphone? Je vais tout lui raconter. Oui, bien sûr. Chérie, descends. Oui, oui. Prendre un bain. Je vous rejoins. D'accord. Ok. Assieds-toi. N'en fais pas. Ça va te plaire ici, d'accord? Ok. Sœurette, est-ce que tu as vu ça? Ma chère, je ne m'attendais pas à moins de sa part. Je veux dire, il est fou d'elle, ils ont grandi ensemble. Ils ont tout fait ensemble, il l'aime vraiment beaucoup. Il ferait n'importe quoi pour elle. Là n'est pas le problème. Le problème est que... Comment est-ce que nous allons faire pour accomplir la tâche qu'Ezengwani nous a donnée quand ton mari la vénère littéralement? Comment? Sœurette, ce n'est pas un problème. Maman avait l'habitude de me dire que tout problème a une solution. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une bonne réflexion et d'un bon plan. Souviens-toi, nous n'avons que 6 mois pour exécuter ce plan. Je n'ai pas envie de finir en tant que prêtresse. Je n'ai pas envie de devenir folle. Cela ne m'irait pas. Regarde-moi, cela n'arrivera pas. Tu ne seras pas la prochaine prêtresse de Junko, ok? Calme-toi et fais-moi confiance. Je le jure sur tout ce que j'ai. Cette chambre est belle. Elle est plus belle que ma chambre. Elle est plus belle. Il s'agit maintenant de la chambre? Vraiment? Tonia! Alors tu vas me rendre cet endroit impeccable, ok? Tu vas nettoyer mes fauteuils, les meubles, mes cadres, la télé, partout. Je veux que tout soit parfait, ok? Donc voici un torchon sec. Utilise-le pour nettoyer quelques meubles et prends ce torchon mouillé. Ne l'utilise pas pour nettoyer ma télé et mes verres. Ok? Ok. Je veux que partout soit propre et s'il te plaît, ne casse pas ma télé, ok? D'accord? Pas de problème. Je ne vais rien casser. J'avais l'habitude d'aider maman au village avec les travaux ménagers. Mais bien que ça m'a pris beaucoup de temps pour maîtriser les coins de la maison, tantine, s'il te plaît, laisse-moi d'abord maîtriser les coins de la maison afin de... Calme-toi. Quand je t'ai réveillée ce matin, je t'ai dit que je suivais les instructions de mon mari. Il m'a demandé de te dire de faire ses travaux. Parce que pour lui, c'est tabou que je fasse le ménage moi-même. Et cela continuera chaque matin, aussitôt qu'à 6 heures du matin. Est-ce que c'est entendu? Rappelle-toi de ne rien casser. Si tu veux maîtriser quoi que ce soit, tu peux le faire en nettoyant. Est-ce clair? Ok. Parfait. Et tantine, t'ai-je offensé? Tu as l'air contrarié. J'ai l'air contrarié. Tu vas bien? Je dois faire le petit déjeuner à mon mari, d'accord? Souviens-toi. Ne t'avise pas de casser quoi que ce soit. Ça coûte cher, vraiment cher. Si tu casses quelque chose, Kosaragi, je ne fais pas de débat, ok? Ne t'inquiète pas, je ne vais rien casser. Le dieu des aveugles est le dieu qui voit pour les aveugles. Tantine, ne t'inquiète pas.
N'importe quoi. Kozarati, tu fais quoi? Oh. Lève-toi. Merci, Frange. J'ai connu un objet lorsque j'essayais de me familiariser avec la maison pendant que je faisais le ménage. Faisais le ménage? Qui t'a dit de faire le ménage? Ah, bébé, que s'est-il passé? Je t'ai entendu appeler Kozarati, tout va bien? Kozarati, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Je suis juste tombée quand j'essayais de nettoyer. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Tu t'es fait mal? Hein? Tu t'es fait mal? Non. Dieu merci, je suis désolée. Kozarati, c'est quoi le problème? Je t'ai dit de te détendre pour maîtriser la maison pendant au moins 3 mois, mais tu y as refusé. Je lui ai dit de ne pas faire tout ça. Elle m'a dit non, elle s'ennuie, elle veut le faire, que je dois la laisser faire. Elle n'a pas arrêté d'insister que je la laisse ranger sa chambre et le salon. Que voulais-tu que je fasse? À présent, elle fait partie de cette famille. Je devais le faire maintenant, regarde. Grand frère, c'est la voix de tante Chizzy ou alors la voix d'une autre personne qui résonne comme la sienne? C'est elle. Pourquoi tu demandes? Chérie, s'il te plaît. Ne dis pas un mot. Réponds-moi. Ça va, laisse-moi juste continuer ce que je faisais. Ça, c'est non. Voilà. Il n'y a pas de travail pour toi. En fait, il n'y a aucune tâche à faire pour toi dans cette maison. Oui. Mais grand frère, tu es... Il n'y a pas de mais qui tienne. Kozarashi, il n'y a pas de mais. Hormis de ton état, tu n'es pas ici pour faire quoi que ce soit. Oui. Tu m'as entendu? Maintenant, chérie, c'est à toi que je m'adresse, ok? C'est toi qui as dit qu'on n'a pas besoin d'une ménagère. Oui, j'en ai pas besoin. Tu peux gérer la maison toi-même. Oui. Et tu le faisais parfaitement bien depuis que Tonya a eu l'admission pour l'université, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, Tonya est là maintenant. Pourquoi c'est pas elle qui fait le ménage comme j'ai trouvé Kozarashi en train de le faire? Hein? Bébé, je suis vraiment désolée. C'est juste que Tonya est partie tôt ce matin. Elle avait un examen à passer, du coup je l'ai laissée, tu vois. Je l'ai prévenue, je suis vraiment désolée. Mais je te promets que cela n'arrivera plus jamais. Ça ne se reproduira plus jamais. S'il te plaît, tu n'as pas besoin de faire ça. Pas besoin, ok? D'accord, je vais t'emmener dans la chambre maintenant. Et après ça, j'irai préparer le petit déjeuner à ton frère. Allez, allons-y, allons-y. Kozarashi. Allons-y. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Bien, elle va bien. Désolée, chérie, désolée. Non, 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 laisse ça, c'est bon. S'il te plaît, ne le refais plus jamais. Je suis vraiment désolée. Tu es le bébé de cette maison, tu ne dois pas faire toutes ces tâches. Viens là, viens là, viens là tout de suite. Petite effrontée, t'es malade, hein? Tante Chizzy, tu as menti à ton mari et tu es fermé avant que je ne te coupe la langue. Maintenant, assieds-toi là. Et si j'entends dire un mot, je vais te tuer. Ne quitte pas cette chambre, espèce d'abruti. Idiote. Mon Dieu. Ça, ce n'est pas la tante Chizzy que je connais. I am in your presence, oh, bless me now. I am in your presence, oh, bless me now. I am in your presence, oh, bless me now. I am in your presence, oh, hey. James, voiture monsieur, est bien soigné. Comment vas-tu, monsieur? Le Dieu que je sers n'a pas laissé le diable vaincre, je vous assure, mamma mia. Dieu n'a pas laissé le diable vaincre. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, j'ai fait un cauchemar. Aujourd'hui, le genre de cauchemar que j'ai fait. Vraiment? Je vous assure, c'était tellement mauvais que si on le mettait au marché, personne ne l'achèterait. C'était aussi mauvais que ça? Je vous assure, c'était grave, monsieur. C'était mauvais. Monsieur, dans mon rêve, devinez quoi? Je cuisinais. Je préparais le fan de salade et de l'arc. Bon. Mamma mia. Ne me dis pas que t'es d'humeur à écouter ces blagues aujourd'hui. Tu
Tu sais, parfois, j'arrive pas à l'ignorer. Il est très drôle. Ok, James. Monsieur. Écoute, mets pause à cette histoire, ok? Oh, non, non, à mon retour. Monsieur, je ne peux pas la mettre en pause. Pourquoi? Je ne peux pas la mettre en pause parce que la télécommande que j'utilise pour ça est très coûteuse. Donc, je me disais que vous pourriez me donner un peu de fric. Je vois. Non, t'as atterri où tu voulais en venir. La femme t'en donnera. Madame va me donner? Wouh! Wouh! Oh, ouais! Ok, monsieur. Ok, vous pouvez rentrer. Ok. Oh, wow. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Bonne journée! Bye. Vous pouvez partir. Au revoir, monsieur. Qui est pisse? Désolé, madame. Que viens-tu de dire? Désolé, madame. Madame, s'il vous plaît, monsieur a dit que vous allez me donner un peu de billets, un peu de fric. Quoi? Madame, monsieur a dit que vous allez me donner un peu des billets pour acheter la télécommande. Va le prendre chez Tonya. Pardon, madame? Chez qui? Je veux voir que tu perds la tête, idiot. You are the reason why I am singing Jehovah. You are the most high God. You are the reason why I am... Tata Cheesy. C'est toi? Et qui est la deuxième personne avec toi? Parce que je sais que ce n'est pas mon frère. Ok, tu vas la fermer. Je ne suis pas prête pour écouter tes charabias cette fois-ci, ok? Un mot encore et je t'étrangle. Tata Cheesy, si la personne qui parle avec cette voix, c'est bien toi, s'il te plaît, je t'en prie. Si j'ai fait ou dit quelque chose contre toi, je t'en prie, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée, s'il te plaît, pardonne. Surette, nous avons des choses plus importantes à faire que d'écouter cette petite sorcière aveugle. Faisons-le et partons d'ici. Tata Tonya, je suis aveugle, oui, mais je ne suis pas une sorcière. Pardon? Tata Cheesy, j'ai cru que tu as dit à Frank Doubem que Tata Tonya est allée au campus ce matin. Elle n'est allée nulle part. Elle est avec nous ici. Petite idiote, maintenant écoute-moi. Ça, tu peux l'humer. Ça, c'est du piment camerounais. Et ça, c'est du ciment. Allez, touche, c'est dans des bols. Ça, c'est de l'insecticide. Celui-là, c'est du raticide. Alors maintenant, si tu refuses de faire ce qu'on te demande, et si tu tentes de dire quoi que ce soit qu'on te fait dans cette maison, je verserai ce piment camerounais dans tes fichus yeux et l'autre moitié dans ton sexe. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Folle. Et si après ça, si tu tentes de foutre la merde, tu choisiras toi-même le poison qui te tuera. Ah. Surette, est-ce qu'on va avec? Montrons-lui un exemple. Ne t'en fais pas, elle a compris. Tu prends ça pour un jeu, hein? Tu prends ça pour un jeu? James. James! Madame! Ouvre le portail. Oh! Madame? Oui? Ok, madame, s'il vous plaît, excusez-moi. Hey, Tonya! Wouhou! Quel ange! I never gonna say goodbye. I never gonna... Qu'est-ce qu'il y a? Madame, j'essaie de dire à Tonya. Tonya, je suis désolé.
Ok. Je suis vraiment désolé. Tu sais, tout ce que j'ai fait, j'avais tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu sais que t'es une jolie nana. Hein? T'es une femme mariable. Tu sais que je t'aime bien. James. Oui, madame. Ça, c'est une attitude très mature que tu viens d'afficher. Tonya, ma chère sœur, tu l'as entendu? Peux-tu lui pardonner? Lève-toi. Ouais. Je te pardonne. Tu me pardonnes? Mamma mia. Loué soit Amadio. Ok, je vois que vous êtes en train de... Autre chose, James. Madame? Je pars maintenant. Je ne veux pas que tu laisses cette fille à l'intérieur sortir. Pas de souci, madame. Je ne la veux même pas hors de cette porte, sans parler hors de la maison. Pas de problème, madame. Est-ce que je me fais entendre? C'est très clair, madame. Parfait. Je comprends, madame. Tonya, calme-toi. Tu sais que je te demande cet argent depuis, hein? J'espère que maintenant que tu m'as pardonné... Je préfère utiliser cet argent pour te faire soigner. Argent. Ah, Sœurette, Sœurette, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui ne va pas encore, hein? Le gars que j'ai contacté, c'est l'homme idéal pour ce plan. Ah, ce n'est pas le mec qui me rend nerveuse, c'est le plan tout entier. Ce n'est que le plan B. Et pour l'amour de Dieu, nos vies, notre santé et notre avenir est en jeu. Donc s'il te plaît, au diable la conscience. Oui. Salut. Salut. L'enveloppe contient la photo de sa mère et lui. Et je t'enverrai la moitié des 1 million de Naira après les détails. Bien sûr, tu l'auras. Et l'autre truc? Hey, une arme? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'une arme? Pour toute éventualité qui pourrait surgir. Ou pour toute situation que Terry ne sera pas en mesure de gérer. Je n'aime pas laisser des traces. Cet esprit de gangster vit encore en toi. Quelque chose l'a fait dormir en toi. Il y a de cela 11 ans après le campus. Tu sais, il faut être vraiment très prudente. Parce que le monde a beaucoup changé ces 11 dernières années. Je ne manquerai pas. Tu peux m'appeler si tu as besoin de plus de clarification. Ça marche.
larmes, tu es sûre de toi? Qu'est-ce que tu veux en faire? Peux-tu arrêter avec toutes ces questions? Laisse-moi te conduire au campus. Et je rentre à la maison retrouver Kosaraji. Et la nourrir du bol de chagrin que j'ai préparé spécialement pour elle. Prête à être consommée par elle. Je ne sais pas vraiment ce que les gens veulent dans ce monde. Des gens bizarres partout. Des gens bizarres partout. Bébé, je suis un objet inanimé. Regarde, 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 regarde. Regarde, une belle fille qui court après un homme. Une belle fille, tu cours après un homme. Maintenant, regarde, on t'a tué. Tous ces... Mamma mia. Maintenant, tu vois, regarde ta vie maintenant. Tonton hey. James. Hey, Johnny Walker, où vas-tu? Hello? Tonton James, s'il te plaît, ouvre ce portail. Je dois partir de cette maison, s'il te plaît. Je demande où est-ce que tu vas? Tonton James, s'il te plaît, je dois partir d'ici avant qu'elle ne revienne. Kosaraji, t'es une gentille fille, hein? Je ne veux pas avoir des ennuis avec toi. Tu grandis, t'es une gentille fille et tu grandis. Je ne veux pas avoir d'ennuis avec toi. Tu comprends? Donc, s'il te plaît, rentrons dedans, hein? Oncle James, je t'en prie, ouvre ce portail, s'il te plaît. Écoute, Kosaraji, madame m'a dit de ne pas te laisser sortir. Allons à l'intérieur. Oncle James, s'il te plaît, je t'en prie. Cette fille. Ok, tu veux aller voir ton copain, n'est-ce pas? Tu veux aller voir ton copain? Tu veux aller voir ton prince charmant? Au pays des merveilles? Écoutez, que je ne veux pas avoir d'ennui avec toi. Allons-y. Oncle James, je t'en prie, s'il te plaît. Hey, je sais que c'est pas facile. Calme-toi, je sais que t'as faim. Il y a des legbas et de la bouffe. Je vais te préparer quelque chose, hein. Il n'y a personne à la maison, t'inquiète, je vais t'entretenir. S'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît. Oncle James, s'il te plaît, non. Écoute, je n'aime pas ça, je n'aime pas les vilaines filles. On m'a dit de ne pas te laisser sortir, allons-y. T'inquiète, je vais te faire la cuisine. Oncle, s'il te plaît, pitié. Hein? Je t'en supplie, s'il te plaît. Oh, mamma mia. Écoute, ne t'en fais pas, ok? Je ne peux pas sortir. Madame a demandé à ce que tu ne sortes pas. Alors, allons dedans. Non. Je vais te préparer un bon petit plat. Hein? Ne t'en fais pas. Hein? Ne te fais pas tout ça. Oh, s'il te plaît. Oh, arrête. Je n'aime pas ça. Oh, viens. Oncle James. Oncle James. Pourquoi es-tu couché au sol? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu laissé le portail ouvert? Madame, c'est Kosaraji, hein. C'est Kosaraji qui... J'étais ici, j'étais là. Et Kosaraji venait. Kosaraji venait. J'étais là. Alors je l'ai bloqué là. Je l'ai bloqué, madame. Et je lui disais que vous avez demandé qu'elle ne sorte pas. Et quand elle venait, elle voulait à tout prix sortir. Je lui ai dit non, tu ne peux pas faire ça, madame a dit que tu ne sortes pas. Oui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai... Pourquoi la porte est ouverte? C'est ce que je disais. Elle voulait sortir. Alors que s'est-il passé? Où est-elle? Madame, je ne voyais plus rien du tout.
Je ne comprends pas. Pourquoi le portail est ouvert et où est Kosarachi? Madame, comme je disais, Kosarachi est venue et je lui ai dit qu'elle ne peut pas sortir. Avant de le constater, je ne voyais plus rien. Est-ce qu'elle est sortie? Est-elle allée quelque part? Elle voulait sortir, elle voulait sortir. Monsieur, pauvre fou, où est-elle allée? Madame, je ne voyais plus rien du tout. Je t'ai dit de ne pas la laisser sortir et tu l'as fait. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu? Maintenant, ouvre ce portail. Madame... Je n'ai rien vu. Mais... Oh mon Dieu, je te l'avais dit que tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir maintenant, regarde. Oui, madame. Tu voulais fuir, n'est-ce pas? Tu pensais être plus forte que moi. Entre, prends ton sac et prends le mien. Je ne veux plus jamais te voir dehors. Est-ce que c'est clair? Porte mon sac. James. Madame. Viens là. Viens. Aïe, aïe, aïe. Chut, la ferme. Ferme-la. Ma bouche. Écoute-moi très bien. Ce flingue n'est pas pour toi. Si j'entends un mot de ce qui vient de se passer à mon mari ce soir, je n'hésiterai pas à te faire exploser la cervelle. Me suis-je fait bien comprendre? Écoute-moi, James. Je le ferai lentement et méchamment. Je commencerai par tes jambes, tes bras, ton ventre, avant de t'exploser la cervelle. Oui, madame. Est-ce que c'est bien clair pour toi? Oui, oui, madame. James. Madame. Un mot. Pas ce mot. Jésus. Ok. S'il est temps. Si tu as décidé de me tuer à cause de ce qui s'est passé, s'il te plaît, donne-moi un moment pour faire ma dernière prière. Laisse-moi prier pour maman et grand frère Doubem, à cause de la compassion et l'amour à mon égard. Je veux que les dernières paroles de ma vie soient des paroles de bénédiction pour tous les deux. Parce que... Tu les aimes? Énormément. Souffrir et mourir pour eux, et à cause d'eux, c'est un privilège et un honneur. Je ferai n'importe quoi, tout ce que tu voudras que je fasse, avec un visage rayonnant. Alors, et si je te dis qu'ils sont tous les deux déjà morts? Alors, je ferai tout ce qui est possible pour les rejoindre. Le suicide? C'est la seule option, alors oui. Pourquoi, si je peux me permettre? Parce que tu es la seule famille qui me restera. Et après ce que tu m'as fait seulement aujourd'hui, je ne vois pas de vie, pas de présent. Pas de futur sans eux. La mort est de loin la meilleure option que la vie avec toi. Désolée si tu vois cela comme une insulte. Non, ma chérie. Je ne sais pas du tout. En fait, je suis plutôt heureuse parce que c'est exactement ce que je voulais entendre. Comme information. Cette arme n'est pas du tout pour toi.
c'est pour maman et toi. Je me suis débarrassée de cette option qui a à voir avec l'acide, le raticide, l'insecticide, le piment sec. Je me suis passée de tout ça. Et si tu essayes de me désobéir ou aller aussi loin comme tu l'as fait aujourd'hui, ou bien même essayer de le dire à maman, ou à Douben, ou à n'importe qui en dehors de cette maison, ce que je t'ai fait ou ce que je vais te faire, je tuerai maman. Tata Chizé, s'il te plaît, s'il te plaît, ne les tue pas pour moi. Leur vie est entre tes mains, Kozarachi. Fais comme je t'ai dit et ils vivront. Debout, debout! James? Monsieur? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu couvres ta bouche? Monsieur, je couvre ma bouche pour sauver ma vie et ma génération à venir. Ma mamie. Tu couvres ta bouche pour sauver ta vie et ta prochaine génération? Oui, monsieur. Que veux dire? Je vous en supplie. Je ne veux pas parler avant de réaliser que les talibans ont envahi le pays. S'il vous plaît, je ne veux pas avoir de problème, monsieur. Le plus énervant, parfois, c'est que tu ne sais pas quand arrêter avec toutes ces blagues. Les talibans, chez moi, au Nigeria. Tu vas me dire ce qui s'est passé au corps. Monsieur, je vous en supplie. Si vous tenez à moi, s'il vous plaît, monsieur, ne mettez pas ma bouche dans la tentation. Sinon, avant de cligner des yeux, je serai mort. Avant de le constater, on va lire ma nécrologie à mes funérailles. Tué par des inconnus armés. Tué par balles. Je ne veux pas mourir. J'essaye de sauver ma vie. Je ne veux pas parler. Si je le fais, on va me... Chérie, où est passé le sac de mon ordi? C'est dans la salle à manger. Attends, laisse-moi aller le récupérer. D'accord, qui chante? Too much excess love. Tu sais, notre Kozarachi a une voix angélique. Jesus, you love me. Oui, c'est vrai, mais il y a une lueur de chagrin dans sa voix. Bébé, à quoi est-ce que tu t'attendais? Pour une adolescente qui a expérimenté ce qu'elle a traversé il y a quelques jours. Jesus, you c'est normal, bébé. Mais t'inquiète pas, elle s'en remettra. Je dois lui parler. Non, 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 bébé, tu ne devrais pas. À ce stade, elle doit guérir et elle doit le faire dans son intimité, je t'assure. Non. Tu dois prendre ton bain et venir manger. Écoute, okay? Chérie, elle ne doit pas se rétablir chez nous. Je veux dire, en notre compagnie. Donc, je dois lui parler. Non, à ce stade, elle... Je suis désolée. Je ne voulais pas vous déranger, madame. Kozarachi. Oh, frère Dubem. Oui. J'ai cru que c'était Tata Chizi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit qu'elle allait... Que j'allais l'appeler quand le repas sera prêt. Pour qu'elle nous rejoigne à table. Oui. Elle a dit qu'elle allait m'appeler quand le repas sera prêt. C'est vrai, ça? Grand frère. Comment tu vas? Tu as dit que tu m'as entendu chanter? Oui, et tu vas m'expliquer cela parce que je ne comprends toujours pas ce qui se passe. Oh, j'ai faim. Oh, vraiment? D'accord, okay. Viens. Chérie, oui, amène-la. Bien sûr. Merci. Viens, viens.
Retire-toi de bien manger. Je vous rejoins quand je finis. D'accord, chérie. Fais attention à tes pas, ok? Fais attention. Ferme-la. C'est pour l'attitude que tu as eue. Je t'ai pris pour t'entiser quand il t'a demandé pourquoi tu étais nerveuse et malade. Es-tu stupide? Ne sais-tu pas que Doubem est un docteur en médecine qui l'observe? Idiote. Tata, s'il te plaît, désolée. Je suis désolée, je ne voulais pas lui dire. Je ferai attention à mes paroles la prochaine fois. Tu n'auras pas l'occasion de t'excuser. Donc prie à ce que la curiosité de Doubem ne s'élève pas après ce qui s'est passé dans la chambre. Sinon, peut-être que tu n'aimes plus Doubem et maman. Non, folle. Non. Folle. N'importe quoi. Stupide. Voilà ta bouffe. Mange. Tata, s'il te plaît, j'ai perdu mon appétit. Tu as quoi? Je n'ai plus envie de manger. Mon ami, mange-moi ça. Je veux prier pour maman et frère Doubem. Tata. Qu'en sera-t-il? Veux-tu que je t'enferme au congélateur pour que tu gèles à mort? Hein? Maintenant, mange ton repas. Mais tata, je ne veux pas manger. Mange-moi ça. Mange ça tout de suite. Idiote, mange. Viens prendre ça. Allez, mange. Petite effrontée. J'ai vu notre gardien, toujours rigolo et bavard, se couvrir la bouche aujourd'hui quand je suis rentré. James est toujours aussi rigolo et bavard, comme tu viens toi-même de le dire. C'est un gros clown. Oui, c'est vrai, c'est un clown. Mais même les clowns ont des moments de sobriété. Et rien ne les met dans cet état que la peur. La peur pour leur vie. Chérie, ne me dis pas que tu prends James au sérieux maintenant. Non, c'est pas le cas, mais... Il me disait... qu'il ne veut pas mourir, qu'il ne veut pas se faire tuer par une personne armée. Et les talibans sont entrés au Nigeria. Et quelques instants après, quand je suis entré dans la chambre de Kozarashi, sa réaction et ce qu'elle a dit, j'ai eu l'impression que c'était pas juste les paroles d'un clown. Mais elle t'a dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, et même après ça, elle était à son état normal. Cela ne te dit pas que tu te fais du souci pour rien? Vraiment? Oui. Regarde-moi. Tu ne me fais plus confiance? Ne crois-tu plus que j'ai cette capacité de te dire ce qui se passe à la maison quand tu n'es pas là? C'est bon. J'ai sommeil, dormant. Fais-moi l'amour. You do not lie, you do not fail. Oh, merci, Seigneur. Elohim, Eloha. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Merci, Seigneur. Oncle James, pourquoi est-ce que tu remercies Dieu? Ma chère... Le truc, c'est que je suis sur le point d'uriner. Je dois... Si tu essayes de sortir ton stupide pénis, je vais exploser.
Des cinglés? Madame, je ne vais pas l'enlever, madame. Ça ne va pas, là? Vous prenez tout ça pour une blague? Merde, vous pensez que je blague? Oh, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne me tuez pas, je ne veux pas mourir, ne me tuez pas. Madame, madame, je jure le Seigneur, je jure. Je n'ai rien dit en passant, je n'y ai rien dit. J'ai couvert mon nez comme ça. Comment penser? Oncle James, est-ce que tu es en train d'essayer de jouer avec mes émotions? Qu'est-ce que tu dis? Merde, on joue avec quoi? Qui est-ce qui s'amuse avec toi? Veux-tu rester tranquille? Causeras-tu? Tu vas fermer ta bouche? John Cena, tu ne peux pas me voir. Tu ne peux pas voir ce qui se passe ici. Mais moi aussi, tu vas mourir. Tu vas aller en enfer. Je m'en garde. Je ne suis pas candidate pour l'enfer comme certaines personnes. Qui ça? Comme Amiga, qui ça? Je suis mauvais. Comme je certaines personnes. Je n'ai pas dit que tu étais une mauvaise personne. Fermez-la. Écoutez. Il faut que vous sachiez que ce qui est arrivé hier, qui a rendu mon mari suspicieux, ne doit plus jamais se reproduire. Est-ce que c'est clair? Oui. Si tu le refais, je vais t'exploser le crâne. Pour de vrai, je vais t'exploser le crâne. Et toi, Kozardi? Oui. Souviens-toi. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Oui. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Fais le contraire et tu verras ce qui va se passer. Tata, je promets. Je ne dirai rien qui fera en sorte de frère de même suspecte, je le jure. Jay, madame. Emmène-la faire le tour de la maison. Pardon? Tu m'as entendu. Emmène-la faire le tour de la maison. Hey! Assure-toi qu'elle maîtrise tous les recoins de cette maison. Et si tu ne le fais pas, vous n'aurez rien à manger tous les deux. Et pas de petit déjeuner, surtout pas de petit déj. Pas de petit déj? Madame, je vais lui montrer la maison. Viens, je t'accompagne. Viens, je t'amène faire un tour. Allons faire un tour. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Oh, elle a dit que si je t'amène pas faire un tour, il n'y a pas de petit déj. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Oh, Nana. Oh, 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 oh. Oh, Nana. Oh, oh, oh. It's all about choice here. Power, power way past the power. So tell me who be your father. When you want test my power. Power from my own father. Power way past the power. So tell me who be your father. When you want test my power. Power from my own father. I be my papa begin. Me hard like the sun. I'm a look young 16. My neighbor me came mad enough. He my grief to me joe. Oh, but I'm not my mind. In my grief, so major. The power of the Almighty. Chine Dumo. I go the go. I go the go, go, go. I go the go. Chine Dumo. I go the go. I go the go, go, go. I go the go. Chine.